Ouais, c'était mon deuxième stage avec l'équipe de France, mais c'est vraiment ma première campagne. Voilà, là j'ai passé un mois et demi avec les Bleus. Bon, on a pas ramené de bons résultats, mais je veux dire, pour moi c'était une très bonne expérience. C'était la première fois que je jouais des matchs internationaux. Donc j'ai joué contre de grands joueurs, ça, je me suis entraîné avec, avec des joueurs de haut niveau, de très haut niveau. Mmh. Donc voilà, bien sûr, ça m'a apporté beaucoup et j'espère que ça me servira cette année sur le terrain. Bah évidemment, on aimerait toujours jouer plus, mais je savais en arrivant là-bas que je serais 12e homme, et qui est 12e homme dit peu de temps de jeu. Et maintenant, j'ai pris ce qu'on m'a donné. C'est sûr que j'aurais aimé avoir un peu plus, mais c'est pas. Je veux dire, je suis pas déçu non plus par rapport à ça, je pense avoir donné le maximum là-bas. C'est quelque chose de spécial, même si. Moi, c'est en Turquie, le match était vraiment plié aussi, mais c'est toujours des salles spéciales. Je veux dire. Il y a 15 000 personnes, Madison c'est une salle mythique. Donc voilà, c'était quelque chose c'était super enrichissant pour moi. Donc j'ai vu de très beaux matchs et j'ai pu jouer contre de très grands joueurs. Ouais, là j'ai un petit coup de fatigue cette semaine. C'est normal, on m'avait prévenu de toute façon, les gars de l'équipe de France m'ont dit il y a toujours une ou deux semaines on est complètement claqué et là je commence à. Là, je fatigue un peu parce que bon, on a fait beaucoup de voyages cet été. Même si je ne jouais pas beaucoup, il y avait toujours les entraînements, l'accumulation de voyages, des décalages horaires. Donc là, je suis un peu fatigué, mais bon, ça va revenir. Et puis surtout qu'on a trois matchs importants, trois matchs test ce week-end. Donc voilà, il va falloir être top. Je suis arrivé lundi dernier. Donc, dimanche dernier et lundi j'étais en entraînement, donc j'ai pas eu le temps de repos avec Armand. Non, franchement, je me sentais bien la semaine dernière, je me sentais vraiment bien. Mais là, c'est en début de semaine, là, j'ai un coup de barre. Et puis, si je veux dire que ça va revenir, c'est quelque chose de normal apparemment. Donc, ouais, évidemment, quand on est sur le compte de France, on défend son titre avant tout. Je pense que bon, on est une bonne équipe de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Je ne suis pas là depuis longtemps, mais bon, de ce que j'ai entendu et de ce que je vois à l'entraînement, je pense qu'on a un bon potentiel. Maintenant, il y a des joueurs qui, comment dire, il leur faut un peu de temps pour être bien dedans. On se connaisse un peu mieux, on a deux nouveaux meneurs, donc il leur faut un peu de temps pour s'adapter à Herman, à un système et voilà. Ouais, j'ai fait tout mon centre de formation avec eux, donc évidemment je suis content. Je suis très content de les voir ici. Maintenant il va falloir bosser. Ils viennent ici pour travailler, ils savent qu'il y a un peu de pression aussi par rapport au titre, donc je pense qu'ils vont tenir à fond pour faire. On s'y attendait tous, on savait très bien que l'année dernière il y avait eu des joueurs bien pour rapport qualité-prix, on va dire. Quoi. C'est-à-dire, ils ont fait des bonnes pioches l'année dernière. Mmh. On savait qu'il y a des joueurs qui s'ils voulaient rester, fallait les augmenter, tout ça. Ben, on le savait. Maintenant, je suis très content que ceux qui sont restés soient là. Et puis, bon, je garde contact avec les autres, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas grave, c'est le basket. On sait très bien qu'on est tous amenés à changer de club assez souvent. Donc voilà, maintenant, il y a des nouveaux joueurs qui sont très sympas aussi. Voilà, on garde contact avec les anciens et on accueille chaleureusement les nouveaux. C'est déjà un peu chambré pour l'équipe de France. Parce que bon, moi, ça va me faire plaisir de jouer contre lui. Je suis très en contact avec Marcus Somerville et John aussi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Donc, non, je veux dire, ça sera d'autant mieux, on pourra se chambrer un peu sur le terrain. Et tout, donc, non, c'est pas plus mal. Non, je peux pas être déçu. Je veux dire, on gagne le titre de champion de France, c'est un moment extraordinaire. Le seul truc que je regrette, c'est qu'on n'ait pas pu fêter un peu plus parce que juste après le match, on a dû faire des contrôles antidopage, tout ça. Je sais pas s'il y a de plus beaux souvenirs, je pense que c'est un tout parce qu'il y a le stress d'avant-match, le fait de voir tous les.
tous les supporters qui ont fait le déplacement. Quand on arrive, c'est peut-être là, c'est quand on arrive, nous pour voir le match de la finale de la Pro B, on voit tout le public, toute une marée rouge comme ça dans le public. Et voilà, ça nous fait bizarre quand d'un coup ils se mettent à hurler et tout, on fait waouh, ça a suivi et tout. On savait qu'il y aurait du monde, mais c'était vraiment impressionnant quoi, de voir ça. Et non, je pense qu'après au coup de civil final, voilà, quand on saute dessus et tout, c'était un moment extraordinaire.